Bienvenue à tous pour ce nouveau live les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes confortablement installés, merci Anderson pour le follow, plus qu'une personne et on est 5000 sur la chaîne, 5000 sur la chaîne au bout d'un an de stream, merci à tous, vous êtes incroyables. Merci à tous et bienvenue les amis, bienvenue Reda, bienvenue Sloux, bienvenue Maxime, bienvenue Kevin, bienvenue Tib Cut. Non c'est pas GTA ce soir, je vais expliquer en fait on inverse parce que demain il va se passer quelque chose d'important sur GTA RP, donc je préférais être là demain que ce soir. Bienvenue Quentin, bienvenue moi Attila, bienvenue Guitar Maniac, bienvenue à tous, vous êtes une trentaine sur le chat, manifestez-vous là, j'ai pas dit bonsoir à 30 personnes, là vous êtes quoi, vous êtes en train de dormir ou quoi? Ok, hier c'était la reprise, hier c'était le lundi, je veux bien admettre que le début de semaine est compliqué, mais là, voilà, là ça y est, on est mardi, il faut être, voilà. Ouais parce qu'en fait ils arrondissent, je crois que c'est à partir de exactement Anderson, tu es le 4999e, GG à toi et je peux vous le montrer si vous voulez, il faut faire comme ça, si je fais tac, normalement vous allez le voir, voilà, regardez ici là, tac, bienvenue 4999. En fait, c'est sur comment ça s'appelle sur Twitch, ils arrondissent en fait. À partir de, je crois que dès qu'on dépasse les 50, genre 4950 et 1, bah bam, ils arrondissent à 5000. Donc voilà. Et merci Christophe, et ben voilà, let's go, on est 5000, merci à tous, merci, vous êtes au top, merci beaucoup, t'es au top Christophe, merci à tous les amis, ça fait extrêmement plaisir, 5000 followers pour commencer la soirée, commencer le stream, c'est incroyable, merci à tous, ça fait un petit peu plus d'un an, on avait officiellement lancé la chaîne, en janvier l'année dernière j'étais parti quasiment 2 semaines à New York, donc c'était compliqué, quand j'étais revenu j'avais eu le Covid, donc on avait streamé 1 semaine en janvier, mais on avait vraiment officiellement lancé la chaîne en février, donc ça fait un an pile, donc merci beaucoup vraiment, à chaque fois je me demande même sur YouTube si 5000 c'est jamais 5000 personnes sur les lives, bah c'est normal, parce qu'il y en a qui vont s'abonner, qui vont jamais revenir, il y en a qui voilà, c'est... Il faut déjà se dire si t'as 10% de ton audience qui regarde une vidéo YouTube, c'est déjà beaucoup. 10% de l'audience, c'est déjà beaucoup. Sur Twitch, je sais pas ce que c'est sur Twitch. Sur Twitch, je pense que c'est encore moins, sachant que là, c'est du live. Imagine le mec qui a Antoine Daniel qui a par exemple quasiment 1 million d'abonnés. Il n'y a pas 1 million de personnes sur son stream. Il y en a entre 7000 et 20000 selon les jeux. Ce qui est déjà énorme. Mais ce qui au prorata n'est pas... Parce que finalement, en fait, les gens sont pas toujours là. Déjà, en stream, en live, les gens ne sont pas toujours là le jour où tu streams. Et après, il y en a qui sont là juste parce qu'ils vont s'abonner, parce que ils t'apprécient, mais que finalement, ils vont jamais sur Twitch ou jamais sur YouTube, etc. Enfin, c'est... Voilà. En tout cas, merci beaucoup les amis. Merci, c'est un grand plaisir de suivre cette aventure avec vous. On est bientôt à 162 000 sur Rockstar Mag. On est bientôt à 30 000 sur Naughty Dog Mag. Il nous reste plus que... Naughty Dog Mag, je crois qu'il nous reste 30 personnes et on atteint les 30 000. Là, on franchit les 5 000. C'est énorme. C'est des chiffres complètement fous. Donc, merci à vous. Ça fait extrêmement plaisir. Vraiment. Vraiment, et je suis content de vivre ces aventures avec vous. Et oui, bientôt 11 000 sur ma chaîne perso également. Bientôt 11 000 ou on a passé les 11 000? Je sais même plus.
C'est vrai qu'en plus, je ne spamme pas de 10 000 vidéos par mois. J'essaye vraiment de proposer que les vidéos nécessaires, etc. Donc, en proposant pas beaucoup de contenu, je trouve que c'est des chiffres astronomiques. Donc, merci à vous de votre présence, de votre confiance, de votre fidélité, de votre force, etc. Faudra que tu fasses une soirée spéciale 5K. Bah, ça sera la soirée abonné numéro 2, hein, où on jouera ensemble. Où on jouera ensemble. On va se préparer ça, j'espère, pour la semaine prochaine. Ce serait cool. Voilà. Déjà, petit point sur le planning de cette semaine, les amis. Et donc, effectivement, GTA RP et The Last of Us Partie 2 sont inversés. On va... Salut, Mr. Kush! Bienvenue! On va inverser, tout simplement, parce que, voilà, demain, normalement, il va y avoir mission importante avec le code 47 sur GTA RP. Donc, à choisir, je préférais faire The Last of Us ce soir et être là demain pour le code 47. Ce sera plus intéressant. Donc, on inverse ce soir. Par contre, jeudi et vendredi, on maintient Banisher, la suite de Banisher que vous avez kiffé hier soir. On continue Banisher bah, jeudi et vendredi, on continuera également GTA RP. Pas de stream programmé ce week-end. Alors ça fait deux dimanches d'affilée qu'on stream. Là pour le moment il n'y a rien de prévu. Je ne sais, pense pas qu'on streamera, mais on ne sait jamais ce qui va se passer vendredi. Avec GTA RP c'est un petit peu aléatoire à chaque fois. Donc voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Demain, grosse journée. Trois vidéos vont sortir. Il y aura une vidéo sur Rockstar Mag avec l'avenir de la saga Red Dead. La suite de GTA V, c'est dès qu'on a terminé The Last of Us Partie 2. Dès qu'on a terminé The Last of Us Partie 2, hop, on continue GTA V. Et dès qu'on a terminé GTA V, on lancera un nouveau jeu. Je pense que d'ici là, on aura sans doute terminé aussi Banisher. Et donc, du coup, on choisira un ou deux nouveaux jeux ensemble à faire sur la chaîne. Donc, je disais demain, trois grosses vidéos. Une sur Rockstar Mag, une Naughty Dog Mag, une sur ma chaîne. Je vais vous proposer l'avenir de la série Red Dead. C'est une petite vidéo de 10-12 minutes, je crois, sur vraiment tout ce que l'on sait à ce jour sur Red Dead Redemption 2 Next Gen, sur Red Dead 3, etc. Tout ce que l'on sait à ce jour sur la saison 2 de The Last of Us sur Naughty Dog Mag. Sachant que le tournage a débuté aujourd'hui, c'est pour ça que la vidéo sortira demain. Sur tout ce que l'on sait sur bah, les informations de la saison 2, les acteurs, la distribution, quand c'est que ça va tourner, quand est-ce que ça va sortir, où ça va sortir, etc. Et sur ma chaîne perso, ce sera le test de Tomb Raider Remastered qui sort demain également. Donc voilà, je crois que tu n'as pas mon smiley. Comment ça, je n'ai pas ton smiley? Comment ça? No comprendo. Hop, je suis en train de préparer The Last. Tac. Tac. Les prochains, c'est jeudi ou la semaine pro? Les prochains quoi? Non, il n'y a pas de smiley qui sont apparus. J'ai vu Hello, un emoji qui fait un clin d'œil. Et la suite de GTA V, c'est pour quand? C'est tout. Les prochaines vidéos, c'est demain. Demain. Demain, il y a les trois vidéos qui sortent. Faut que je termine de les monter après le live. Mais c'est demain. Si tu parles des vidéos dont je viens de parler, hein. Oui, mais il y en avait d'autres pour Rockstar Mine. Après, ce sera une par semaine. Et pareil pour Naughty Dog Mag. Il y a Red Dead, Max Payne Remake, GTA San Andreas VR, Bully 2, Agent, GTA 6, les prochains jeux Rockstar. Donc 7 vidéos sur Rockstar Mag. Et sur Naughty Dog Mag, The Last of Us Partie 2, enfin The Last of Us Saison 2, The Last of Us Partie 3, Uncharted 5, Uncharted 2 le film, Jack and Dexter, et 5 vidéos sur Naughty Dog Mag.
Non, on fera pas les médailles d'or. On fera pas les médailles d'or pour GTA V. Je pensais que tu allais faire une journalière. Ah bah non, je vais pas en faire une par jour. Hein. Une par jour. Et faut que le contenu, faut que le contenu travaille. Hein. C'est-à-dire que cette vidéo-là, si on la sort en plus mercredi, c'est-à-dire que c'est vraiment d'ici ce week-end que tout le monde va la voir. Ça sert à rien de ressortir une vidéo jeudi, vendredi, alors que voilà, sachant qu'il y a aussi les replays. Enfin, je peux pas sortir non plus toutes les vidéos en même temps. Ça n'a pas d'intérêt. Et même pour moi, en fait, ça me permet de préparer mon travail. Comme ça, je sais que là, je vais essayer que d'ici ce week-end ou semaine prochaine, les 7 vidéos soient prêtes. Comme ça, pendant 7 semaines, je sais que j'ai mon contenu et du coup, je peux commencer à travailler sur les Rockstar Games et préparer les autres Rockstar Games. En fait, faut, voilà, faut que je prépare mon travail. Je peux pas tout sortir en même temps. Il y a que l'actualité où ça sort boum boum et les vidéos comme ça qui sont un petit peu des vidéos. Voilà, il faut aussi le documentaire sur le Hot Coffee qui est où je termine. Donc voilà, vous avez le programme. Sachant que ben, il y aura aussi les replays de Let's Play, qu'il y aura ben, les streams le soir, etc. Vous n'allez pas vous ennuyer. Et donc du coup, Moussouk, oui, moi en fait quand je fais des lives, enfin quand je fais des jeux en Let's Play, je les fais pas à 100%. Je fais la trame principale. GTA V, on fait également les missions secondaires inconnues détraquées. Mais on fait pas à 100% parce que... les missions tout en or, les collectibles, etc. Ça va pas être du tout passionnant pour vous en fait. Ça va pas être passionnant pour vous en fait. Si vous me voyez genre les 50 sous le pont ou les vaisseaux, les missions où je vais récupérer les morceaux aliens. Voilà quoi. C'est pas des plus passionnants quoi. C'est pas là qu'on va kiffer. Sur cela. Alors souvenez-vous, on en était où la semaine dernière? La semaine dernière, Abby s'est fait sauver par Lev et Yara de Séraphites, les Scars comme ils se font appeler par les Wolves. Et donc du coup là, Yara elle est un petit peu mal en point, elle est en train de perdre son bras et donc du coup il faut aller à l'hôpital pour récupérer du matériel médical afin que Mel puisse l'opérer. Le problème, c'est qu'il y a quasiment une journée entière pour faire aquarium hôpital. Et une journée, bah, c'est pas possible, Yara, elle meurt. Et donc, du coup, Lev a trouvé connaît un raccourci qui permet de faire l'aller-retour en 4 heures. Ce qui est effectivement pas la même. Et donc, du coup, on a commencé à prendre ce raccourci. Et donc, voilà où on en était. Et donc, bah, let's go, hein. Comment ça? C'est la fusée! Tu vas me dire que là où il s'est pris la flèche, il est pas mort. Ça commence. Oh mais c'est la dèche en termes de munitions là. Oh putain, j'avais pas vu elle. Elle a une lame juste devant. Ok, on va recommencer parce que. Voilà. Je n'étais pas prêt, j'étais en train de vous expliquer tout ça, voilà. Et là, on recommence et je me mets en mode concentration. C'est l'infidèle! Avec une wall! Ok, bon, on va recommencer. Fais chier là! Cache-toi, gamin! Où elles sont passées? Il faut inspecter le toit. Ils sont pas loin. Dégueulez. Salut, Boulouga! Ah bah non, on vient juste de lancer là. On vient vraiment juste de lancer. Tu viens juste de rater un fail, ça c'est pas bien grave. Oula, j'avais pas vu lui. Je sais, gamin, je sais.
On va essayer de récupérer nos flèches. C'est niqué, on peut pas. Et là... C'est moi ou le jeu il lag? La flèche que j'ai loupée tout à l'heure. Attends. Moi, il y a un mec qui passait là. Bah oui. Barré, on n'a pas le time. Chut. Écoute. On cherche. Faut qu'on se tienne prêt. Ça, on a compris, il y a un qui nous cherche. Là. Je suis encerclé là. Ah, ils sont un peu beaucoup là quand même.
à charger. À charger. Mind you. Heureusement que c'est des petites patrouilles qui passaient par là. Oh, il se dévergonde le petit hein. Bon, est-ce qu'il n'y a pas des trucs à ramasser là? Parce que mine de rien, il me faudrait des munitions. Il me faudrait des munitions, des ressources. Ah voilà. Il me faudrait des munitions, des ressources, il me faudrait tout ça là. Et merde, putain, je suis plein à ça. Il y a vraiment pas grand chose hein. Il y a vraiment pas grand chose. Je peux rien fabriquer là. Ah, et pourtant au niveau fabrication on est pas trop mal quand même. On n'est pas trop mal. Pourquoi ils disent que je peux fabriquer un truc? Ah oui, je peux confectionner, ouais, mais on s'en fout un peu de ça. On s'en fout un peu. Alors. Ah, là il y a des ressources, là ça fait plaisir. Laisse-moi deviner. Faut grimper? Ouais. Ouais. Ah, petite pilule. On en a où des pilules déjà? On a 43 et on a dit qu'il nous en fallait 50. 50. Et là on a tout. Vitesse de déplacement, déplacer plus vite sans tenir en otage. Ouais, bon. Ok. Bon. Si c'est utile, ça c'est bon, on a tout. Tiens, on casse tout. Là, bah y a rien. Ça c'est la tactique pour savoir s'il y a des infectés. Tu vois, tu fais du bruit, y a rien à l'horizon, tu sais que c'est safe. Voilà. Heureusement qu'il y a des vitres. C'est un monde charge. Ouais. Ça va super et toi, Reda? Il y avait du soleil dans la journée 1 quand Dina et Ellie sont arrivés à cheval. Plutôt que ton corps est en train de se mettre en condition. C'est en étant faible qu'on peut trouver notre véritable force. Ça va, il n'y a pas voir le vertige, on voit rien là. Il y a tellement de brouillard qu'on voit rien. C'est dans la tête ça. J'ai ça, moi je suis le premier à être en PLS. Hein.
tient ça de la prophétesse. Ouais. Je croyais que vous étiez contre l'électricité et tous les trucs démoniaques de l'ancien monde. On fait quelques exceptions. Surtout quand c'est pour les soldats. Ben voyons. C'est vrai, les Chimiers. Donc, tu continues à aimer ta prophétesse alors que ses adeptes essaient de te tuer en son nom? Je n'aurais jamais vu ça. Il n'y a aucune violence dans ses écrits. Tu devrais dire ça à tes potes. C'est seulement après sa mort que les lapidations et les pendaisons ont commencé. Pourquoi tourner ses paroles? Il n'y a qu'à lire ses écrits. Ok. La définition de la religion donnée par Lev est The Last of Us. Attends, c'est quoi ce truc? C'est la passerelle. Lève. Suis-moi. Putain. On y va doucement. Je sais pas si je vais y arriver. C'est ah bah super. Salut Enzo. Tu mens. Non, c'est vrai. Enfin, c'est pas le chemin le plus emprunté. Oh putain. Oh, j'avoue que là, je regarder en bas. Je serais un petit peu en PLS quand même. Bordel. C'est pas la folle, Abby, hein. Comment tu te sens? Je peux te dire que je l'attends, ma véritable force. Ça coule. C'est cool. Ça coule. Non, rien. Ça coule. Qu'est-ce qui se passe entre toi et ton ami Owen? C'est pas vrai, Lev, tu crois que c'est le moment? C'est juste que c'était tendu entre vous. Avance. Il me fume, Lev. Allez, viens! On peut prendre le temps de s'extasier devant mon exploit. Pas encore. Ramène-toi, t'as mérité le câlin. Tu vas bientôt changer d'avis. Pourquoi? Pourquoi? Tu vas voir. Avec le vent et tout là, putain. Comment tu fais pour pas avoir peur? Et me parle pas de la prophétesse. J'ai jamais eu peur du vide. T'as peur de quoi alors? De l'océan. Des chiens. Bon ok, là c'est un petit peu haut quand même. Mais l'hôpital est juste là. Tout doucement. Putain. Tu es prêt?
Allez! J'ai la tête qui tourne! C'est dans la fille! Tiens bon! Remonte-moi! Remonte-toi! J'avoue que ce moment en VR, ce serait affolant. Tu es prête? Donne-moi juste une seconde, s'il te plaît. D'accord. Ah, j'avoue, autant de chance que Nathan Drake. Par où maintenant? Je sais pas. Comment ça? C'est le bon immeuble, mais j'étais encore jamais venue par ici. La passerelle conduit à l'arrière de l'immeuble. C'est la première fois que je viens là. Ok, bon. Essayons de trouver le moyen de descendre. Les oreilles qui sifflent. S'il y a que ça, alors on a eu de la chance. Peut-être que c'était pas de la chance. Peut-être que si. Il y a des wolves qui croient en Dieu. Je les ai entendus prier. Ouais, ben pas moi. Si je meurs, ce sera pour ma pomme. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi t'es revenu nous aider? La culpabilité. De quoi? Tu ne devais rien du tout. J'avais besoin de faire quelque chose de bien. Putain, le mot de passe... Attends, le mot de passe, c'est quoi? Non, je pensais que ça aurait pu être une date importante, mais... Ah bah le coffre. Mais voilà. À tous les coups c'est le code du wifi. Non. Y'a pas autant de chiffres. Ah quoique 6 chiffres. Si si ça va être le code du wifi hein. 12 18 79 12 18 79 12 18 79 12 18 79. Ah, oh, sa mère. Ah, putain. 12. 18. Let's go. Je rêve, ça marche. Ok. On en est où au niveau de ça? On va prendre ça. Là c'est quoi? Vitesse de déplacement. Ah ça c'est bien ça. Ça c'est bien. On descend par là. Si on rejoint la rue, on sera juste à côté de l'hôpital. Ok d'accord, on retombe ici, ok. Ok, ok. Il
Y'a rien là, y'a pas de collectif, y'a rien. Abusé. Je sais pas ce qu'il y a dans les toilettes des hommes, mais pour que ce soit barricadé des deux côtés. Qu'à mon avis. Oh, attends, il y avait une autre salle de sport? Smoothies! J'ai envie d'un smoothies maintenant. C'est malin. C'est malin. Ah, ça on prend. Il y a des bruits chelous dans cet immeuble. On entend là. Allez, let's go. On a tout fouillé, on peut y aller. J'avoue que l'hôtel avait l'air assez affolant. C'est l'un des tiens ? Non. Regarde les vêtements. Tiens. C'est sombre là-bas. Ah, d'accord, je comprends. Ils avaient pour ordre de nettoyer l'immeuble. Lev, y a désinfecté dans ce bâtiment ? On prend toujours l'élévateur jusqu'en bas, alors j'en sais rien. Ça, ça veut dire que oui. Des sports. Mets ton masque. J'ai pas de masque. J'ai loupé un truc là ? Pas partie de vos croyances. On a dû s'enfuir. Je vais voir ce que je peux trouver. Reste ici. Recule. Encore. Si tu meurs, je serai coincé ici. Prie pour que je m'en sorte alors. C'est le début là, on va enchaîner pendant une heure. Enfin peut-être pas une heure mais peut-être bien une heure en fait hein. Toute cette séquence, elle est horrible. Le jour 2 avec Abby, de toute façon, c'est le pire jour. Merde. Toi, reste là-haut, ok ?
Allez là. Ouais, le jour 2 avec Abby se sont dit ça va être la fiesta. C'est 3 jours avec Ellie et 3 jours avec Abby. Mais ils durent pas le même temps en fait. Les jours 1 sont assez longs et ensuite c'est un peu moins long. Putain, ça craint. Donc on sait ce qu'il y a derrière. Genre en général le jour 1 est très long. Le jour 2 ça va. Et le jour 3 est rapide. Genre le jour 3 il se passe quasiment rien. Parce que le masque était cassé. Le masque était cassé. Le mec il s'est suicidé. Et du coup le masque bah, il servait à rien en fait. C'est pour ça qu'elle a dit bute-toi si tu veux mais enlève ton masque. Ouais. En fait, je te dis pas l'odeur du masque hein. Là il va être content hein. Il a l'air bien. Bon, j'arrive Lev. Je savais qu'il était là. Oh, putain. Il m'a surpris ce bâtard. Ah, ils faisaient pas les malins. Une balle, 3 morts. Et je vais même pas débloquer un trophée pour ça là. Ah ouais, non mais le match je te dis ça va être horrible. Ah, je préfère l'arsenal de Ellie quand même. Moi je préfère celui d'Ellie. Hein. Celui d'Abby, il y a trop d'armes qui sont, allez, peut-être puissantes, mais il y a 3 munitions. Hein. Tiens, c'est cadeau. Attends. On perd du temps. On peut pas aller plus vite. C'est pas en mourant tous les deux qu'on va aider ta sœur. Voilà. Ça va aller. T'as vu par où descendre ? Non.
Abby, t'en penses quoi? J'aime pas ce... tuyau d'incendie. Lève, viens descendre ça. Ces grognements qu'il y a là. Je vais aller voir en bas. Fais attention. Tu calmes. Allez. Attends. On va monter quand même voir. Il y a peut-être un truc là-haut. Bah on peut pas. On va descendre. Malheur. Déjà quand tu vois la gueule du truc. Bon. Là les amis, on a des putains d'infectés qui sont cachés là-dedans. Et dès que tu t'en approches, ils te sautent à la gueule. Donc on va bien être prudent. Et maintenant, suis-moi. Que le courant soit calme. Que c'est quasiment la même folie dans tous les immeubles de Seattle. On pourrait se dire qu'une zone est prise, mais la vérité c'est quasiment tous les gratte-ciels sont en même temps que... Ouais. Après, c'est pas sûr que tous les immeubles soient infectés. Hein. En fait, c'est toujours, il y a toujours un point de départ. Ah non, hein, la manette. Hein. J'allais regarder, je pense que là c'en est une là. Il y a une jambe là. Je pense que ça en est un ça. Ouais ça en est un ça. Ah bâtard, ça en était un. Ça en était un. Ce truc était en train de grossir dans le mur. Yes, là comme ça on le récupère. Et moi donc. Mais t'es le cul à l'air là dans son mur là. Merde! Ah, faut que je... Ah, elle aurait pu sauter, hein! À ton avis, combien d'étages on doit encore descendre? Je sais pas, il est grand cet immeuble. Thank you.
putain, mais je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Je l'entendais grogner, mais je me suis dit, il est où? Ça en est un lui aussi. Bâtard va. Du coup là on peut prendre celui-là, comme ça on va se déplacer plus vite. Là il en faut 50. Bah il nous en manque plus que 100 en fait hein. Plus que 100, on va se soigner hein, c'est cadeau. Voilà. Voilà, c'est cadeau. Là, on peut rien faire. Mais non! Mais non! Attention! Bien joué, gamin! T'entends quelque chose? Non. Et toi? Non. Bien, on repart alors. Bon. On s'est quand même fait un petit peu niquer quand même, hein. Il y a des gros grognements quand même. Ah mais quoi? Je pouvais les éviter, passer directement par là. Oh la baise. Je me suis fait niquer là. Peut-être pas aller là-bas. Hein. Je déteste ça. On va pas aller là-bas. Hein. On va passer par là plutôt. C'est plus chill. Forcément, on peut pas descendre. Forcément, on va être obligé de passer par là-bas. Obligé d'aller vers le gros grognement. Ah!
son arme dragon, elle est impressionnante. Tu l'as dit. Alors, on va prendre ça. Et... Tant d'armes dragon. Mais au final, faut aller où là? Faut aller là-bas? J'aurais pu éviter. Regardez ça, regardez. Attends, mais elle est où la tête? Très bien. Ah, la flèche est cassée. On n'a plus qu'une flèche. Qu'est-ce de cet immeuble? On n'a plus qu'une flèche. On est presque au niveau de la flèche. Mais foutu. Attends, on vient de là-bas. Hein. Oui, on vient de là-bas. Et non, je peux pas en fabriquer d'autres. Déjà, faut que je trouve un établi. Ah non, non, je suis con. Non, je peux même pas en fabriquer d'autres en fait. Je peux même pas en fabriquer d'autres. Faudrait des flèches, s'il vous plaît. Ça en est un, ça. Non. C'est sûr que ça en est un. Je vois pas la tête. Horrible. Ça en est un, mais je vois c'est pas la tête. C'est vrai qu'Isaac a éliminé ce qui commandait avant. Fedra, ouais. Il paraît qu'il torture les gens. Il y a les jambes, mais je vois pas la tête. Ok. Toi, t'as... Oh non, ça n'était pas un. Lève. Ça n'était pas un. Plutôt trouver une issue. J'ai plus de flèches. Non. On est sacrément dans la merde. On y est jusqu'au cou là. Putain. On panique pas, tout ça on l'a fait. La suite c'est par là, là y'a rien, c'est bon. Bon, on avance. Yeah, est-ce que ça va? Ouais. Et toi? Pour être franche, j'ai connu mieux.
J'avoue que la vue de l'hôtel, pas mal quand même. Hein. Ça doit être un hôtel cool avant que ça se transforme en... en ça. Bon après nous emballons pas, hein. La lumière c'était de courte, courte durée. Hein. Voilà à nouveau ce qui nous attend. On peut aller... Oh non là c'est par où on vient. Allez, deuxième phase horrible. On y est. Comment ça, y a plus de silencieux là? J'ai failli me faire feinter comme un fou là. C'était ce qu'on appelle tendu. On a déjà plus de ressources, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est ? Une pièce. Une pièce de quoi ? Quoi ? Ok, allez, let's go. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Tu peux retirer ton masque. Merci.
l'hôpital. C'est juste là. On a réussi. Ouais, on a réussi. Tu vois l'élévateur juste là? Je lui ai foutu un gros vent. On devrait y aller. Ah, bah je lui ai foutu un gros vent. Je préfère qu'on raconte pas aux autres ce qui s'est passé. J'ai pas envie qu'Ira s'inquiète. T'es cool comme frère. Je peux te poser une question? Vas-y. Tu regrettes de t'être rasé la tête? On n'est pas censé éprouver des regrets. Lève. J'aurais mieux fait de m'enfuir. Comme ça, j'aurais pas mêlé Yara à tout ça. Elle serait chez nous, en train de s'occuper de notre mère. Votre mère, elle a besoin qu'on s'occupe d'elle? C'est notre mère. C'est notre mère. Ça devait pas être la fête du slip, hein. C'était pas le Club Med leur camp de vacances à eux. Exactement les chenilles. Avec l'élévateur, on n'aurait pas fait tout ça. Salut Pierrot, ça va? Je chope le matos et je reviens. Toi, tu restes ici, ok? Ok. Dans l'eau. Je suis une wolf. Tirez pas, c'est moi, Abby. Abby? C'est Abby, merde. Elle est seule. Ouvre le portail. Salut les gars. La vache, t'es venu à la nage? Le bateau s'est renversé. J'ai besoin d'équipement médical. Je fais un boulot pour Isaac. On doit apporter tout ce matériel à Isaac. Qu'est-ce qu'il lui faut? Je peux pas vous le dire. C'est un truc en dehors de la base. On est en train de sortir et d'emballer tout le matos. Va voir si quelqu'un a ce que tu recherches. Elle est dans le coin, Nora? Hier, elle m'a dit qu'elle devait venir ici. Elle est partie avec le dernier chargement, mais elle va revenir. D'accord. Merci. Comment ils font pour attirer de nouvelles recrues? Peut-être qu'ils font un lavage de cerveau à tous ceux qui débarquent en ville. Grosse ambiance. Salut. Abby. Ils t'ont transféré toi aussi? Ouais, c'est la joie. J'ai besoin de matériel médical. Tu peux me dire où ils sont? Abby, je viens de parler à Isaac. Tu retournes à la base avancée. Laisse-moi contacter Isaac. Tu lui parleras en personne. Pars avec le prochain chargement. Désolé. Qu'est-ce que tu fais? Elle a disparu depuis hier. Donne-moi tes mains. Tu vas te déboîter l'épaule. Nora. Eh ben. Bah, c'est pas qu'elles auraient pu se croiser. Un jour, tu serais contre Isaac. C'est que Ellie écoute à la radio où trouve Abby, elle poursuit Abby. T'as trouvé Owen à l'aquarium. Là, Abby, elle va, Ellie, elle va arriver après Abby. J'ai parlé à Manny. Il me faut du matériel médical. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Syndrome des loges. Son bras est foutu. Tu vas pas le soigner, j'espère. Ce sera Mel. On n'a pas beaucoup de temps.
Zut. La plupart de ces trucs ont déjà été emballés et déplacés. Quoi ? On n'a pas encore vidé les étages inférieurs. Il y aura ce qu'il me faut. Ouais, sûrement, mais... ça va être difficile, tu sais. Je m'en sortirai. S'il t'attrape, tu ne m'as jamais vu, d'accord ? Ouais, bien sûr. Bon, suis-moi. Le syndrome des loches. Putain. Ouais. Il a de la chance de sortir avec un médecin. Et comment va Mel ? Bien. Elle était vraiment mal après qu'Isaac lui a parlé. Isaac lui a parlé ? Quand il a appris que vous aviez quitté la base, Isaac nous a tous interrogés. Il a pas été tendre. Quelqu'un a parlé ? Non. Laura ? Vous allez où tous les deux ? On va chercher Abby, le bateau est prêt à partir. J'ai encore des cartons au troisième étage. Vous pourriez aller les chercher avant ? Le bateau est presque plein. Allez, je peux pas passer toute la journée ici. D'accord. Merci. C'est bon. Et toi, ça va ? Comme d'hab. Anis fait un sang d'encre pour toi. Il sait que je suis là ? Il va pas tarder à l'apprendre. Et du coup, Owen compte faire quoi après que Mel l'aura amputé ? Une seconde. Y a personne. Ok, enfin, bref. Owen compte faire quoi après que Mel l'aura amputé ? Il parle d'aller à Santa Barbara. Il sait que c'est des conneries tout ça, non ? J'aimerais pas être à la place de Mel. Ouais. Moi non plus. Ok. Ah oh mais Pierrot, The Last of Us, c'est la meilleure licence du monde. C'est parfait. Mais il a pas absolé, Bouluga. On l'a vu que... Ils y ont amené les premiers cas avant de comprendre ce qui se passait. On l'a vu que Ellie a massacré Nora. Génial. Bah vous avez entendu où on va là ? Là on va au sous-sol, c'est là où l'épidémie a débuté à Seattle. C'était l'épicentre du virus. Donc autant vous dire que... ça va être la fête. Que ta vie soit longue. Que ma mort soit rapide. On se retrouve à la base. Bientôt, j'espère. Ouais. Bon. Non, c'est la meilleure licence de jeu vidéo en termes de narration, d'histoire, de mise en scène, de... Ok, chirurgie, traumato, soins intensifs. C'est parti. C'est hyper sombre, on n'y voit que dalle. Je m'attendais à pire. Jamais prêt pour le jour 2. Ah, forcément, c'est bloqué. Je suis jamais prêt pour le jour 2. Bon, la traumato ou la chirurgie. Les urgences. Le service traumato doit être par là.
Dans la série, ils expliquent un petit peu et ouais, tu vois un petit peu comment ça a commencé. Ouais. Je vous conseille vraiment de la voir la série. Hein. Ceux qui n'ont pas vu la série. Il y a du loot, il y a du loot. On récupère tout ce qu'on peut récupérer. Vous avez fait votre possible. La série, il y a 9 épisodes. Elle est normale, c'est une série normale quoi. Alors, le mieux, je vous conseille quand même de faire le jeu avant. De faire le jeu avant parce que pour moi, le jeu est plus long. Il y a plus d'émotions, plus d'intensité. Moi, je vous conseille de faire le jeu et ensuite découvrir la série. Mais après, en vrai, ça n'a pas d'importance tant que vous faites les deux. Ce sont en fait deux médias, la série et le jeu. C'est deux médias complémentaires en fait. Il y a des trucs dans le jeu qu'il n'y aura pas dans la série, des trucs dans la série qu'il n'y aura pas dans le jeu. C'est bien complémentaire, c'est bien cool. Bon là, on arrive où ça commence à être un peu moins la fête du slip. Ah la manette. Bon, ça c'est un peu la merde parce qu'il y a toujours pas de... Attendez, vous parlez de Red Dead Redemption 2, mais vous avez pas fini The Last of Us partie 2. Allez, trouve quelque chose. Nada. Nada. Il y a forcément quelque chose dans le coin. Oh putain, j'ai eu peur. Ouais, faut pas me faire des frayeurs comme ça. Putain, pourtant, du coup, on dirait bien... La. Ça grogne, ça grogne. Merde, je pensais qu'il y avait un silencieux sur celui-là. N'empêche, il nous nique parce que lui, on aurait bien dit un vrai. Hein. Ils font exprès ces bâtards. Attends. Let's go. Voilà, comme ça on va faire un sur un en plus. Voilà. Voilà, voilà. Il y en a combien de pilules là? 12. Oh, mais il nous en manque pas beaucoup hein, pour remplir à fond le... Abby, elle est bientôt dopée au maximum. Hein.
pour mettre le courant. Bon, il me reste plus que les blocs opératoires. Putain, là on a le champignon qui a détruit la boîte crânienne du mec là. Eh oh, doucement là-haut. Comment je fais pour entrer? Chirurgie, nickel. Je t'ai entendu. T'as besoin de jus, toi aussi. Il doit y avoir un générateur dans le coin. Lui, il s'en est un. Culé, va. Allez, du loot, du loot, du loot. L'œuvre aurait pas été de trop ici. Ou Manny. Ouais, Manny. Si seulement Manny était là. Et merci pour le follow, Steven. Non, on peut rien faire là. Faux raccord, hein, comment ça l'électricité? Alors attends, qu'est-ce qu'on peut faire? Là tout est amélioré, là tout est amélioré, là tout est amélioré. Et là on a une lunette x4 qui peut être pas mal. Et là on a quoi? Vitesse de rechargement, stabilité, stabilité, ça peut être pas mal. Hein. La stabilité, ça peut effectivement être pas mal. Ah bah, on va pouvoir même la réaméliorer. Alors, lunettes x4, lunettes x4 c'est peut-être plus utile sur celui-là quand même. Hein. Allez hop là. Bah ouais, l'animation Google, ouais.
Voilà, c'est bon ça. Très bien. Et parce que là j'améliorerai l'arbalète mais j'ai pas de flèche. Comment ça, besoin d'électricité? Ah bah oui, je suis con. J'ai allumé le générateur mais pas le compteur. Oui. Salut Tuxedo! De quoi? Qu'est-ce qu'il y a de Tuxedo? Mais c'est pas moi! C'est pas moi, c'est le youtubeur Nota Bene qui s'est fait voler son contenu. C'est pas moi! Ciao Maria. C'est horrible tous les gens qui sont morts et qui sont en train de pourrir dans le sous-sol d'un hôpital. C'est horrible. Combien de live Oh bâtard. J'en ai marre de ces conneries. Culé. Hein. Oui, il vaut mieux ça que être conscient dans ce. Ça devrait me faciliter la tâche. Conscient dans ce. Où est-ce qu'il est, ce putain de matos? Dans cet état, mais bon. Allez, on va se soigner. Hop. Allez, let's go, on va pouvoir faire des surins. Ce sera pas trop. On va pouvoir récupérer tout ça, ce sera pas trop non plus. Là, y'a rien. Là, waouh, toutes les pilules qu'il y a là. Il va se droguer puissance 12 là. Voyons ce qu'il y a ici. Pas du tout. C'est pas vrai. Faites que je trouve une ambulance sur le parking. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Allez, let's go. On va faire les petits... ça. Voilà, 3 sur 1. On revient 3 sur 1. Et là, du coup... Là, du coup... Eh ben, let's go. On peut faire ça.
Voilà. Oh, on n'a pas trouvé le manuel d'entraînement. J'ai dû le louper parce qu'on est déjà à la fin du deuxième jour. C'est bizarre que j'ai pas trouvé le... Mais attends, si avec Abby on l'avait trouvé je crois. Allez Abby, toute la puissance. Bon. Et donc du coup pour répondre à la question combien de live il reste, je pense qu'après celui-là il en restera qu'un. En vrai. C'est quelle heure là, 20... Peut-être que après celui-là il en restera un ou deux maximum. Un ou deux maximum. Et on aura fini tous les The Last of Us sur la chaîne. Bordel. Déjà. Ah mais attends, là c'est où j'étais. Ah oui, je suis déjà venu par là, d'accord. Eh oui, et là oui, d'accord, on doit aller là. Ok, attends. Parce que ça du coup... Là on n'est pas allé là. Mais en même temps, on n'y est pas allé, mais est-ce qu'on a envie d'y aller? Et on peut pas y aller. Oh oui, il y a des chances, hein. Il y a des chances parce que je me refais, je me les refais en général, allez, toutes les années ou années et demie en général, j'aime bien me le refaire. Salut Steven, première fois sur la chaîne, bienvenue. C'est dingue. Ce qui est dingue, c'est que The Last of Us est parfois plus flippant que certains survival horror. C'est vrai que sur certaines séquences, genre celle-là, celle de l'hosto, elle est costaud, hein. Mettez-vous à la place de tout le monde quand c'est la première fois qu'on le fait et qu'on sait pas que les mecs qui sont dans les murs, ils peuvent te sauter dessus. Je peux te garantir que les sursauts, tu les enchaînes. Hein. Alors après The Last of Us, il faut qu'on termine GTA V, le saut de GTA V. Une fois qu'on a terminé The Last of Us et GTA V, je pense qu'on va focus sur Banisher. Comme ça en fait les trois seront terminés et on n'aura plus de jeu en cours depuis longtemps là. Parce que mine de rien, GTA V ça fait depuis septembre. Bon, The Last of Us ça fait juste deux semaines. Banisher on vient d'attaquer, mais au moins comme ça tous les jeux seront faits. Sachant qu'on continuera GTA RP à chaque fois aussi. Hein. Bien sûr, hein, GTA RP ne s'arrête pas. Même les brancards te font peur. Non, GTA RP on le fera jamais tous les soirs. GTA RP je vous le dis, on fera jamais tous les soirs, j'ai pas envie de devenir un streamer RP. Y'en a qui n'aiment pas le RP, y'en a qui m'ont déjà dit qu'ils aimaient pas le RP. Et puis y'en a qui peuvent pas être là tous les soirs, donc après y'a les replays rattrapés. Et c'est pas tout le monde qui arrive à rattraper 3-4 heures de replay en une journée quoi. Enjoy. Merde. Je suis en train de regarder le chat. Yeah.
Moi j'aime pas GTA P des autres mais le tien je kiffe. Ah bah c'est cool ça Maxime, ça fait plaisir. Qui te suit, tu vois que ça arrive. Ambiance hein, on apprécie hein. Voilà hein, je pensais que ça allait le retarder le lance-flamme mais visiblement non. On se concentre, ça fait deux fois, on se concentre. Allez, let's go. Allez, là on fume maintenant là. Enfin, maintenant après quoi. Maintenant après quoi. Attendez, je vais lire le chat parce que j'ai vu que j'ai des messages du chat que j'ai pas lu, ça me stresse, et après je le fume. Avec Julia Diaz. Ah non mais elle c'est la pire. Non mais on commence à avoir une trop bonne équipe sur GTA RP, ça va être cool. Moi j'aime bien celui de Molcuis et le tien, la sensation que quand Jack s'énerve ça fait vieux couple, ça me fait bien marrer. Ouais bah après je vous en parlerai demain parce que là on n'est pas en soirée RP et que forcément il y en a peut-être qui suivent le RP qui sont pas là, mais on a fait une grosse mise au point etc. Il y a pas mal de changements qui vont arriver, donc voilà. J'aurais aimé que le making of me donne plus d'informations sur la création de cette chose. J'avoue qu'ils n'en ont pas parlé du Rat King, ça aurait pu être cool. Tu veux pas faire du Valorant? Il faut que je fasse une soirée initiation League of Legends, Fortnite, parce que c'est des jeux que j'ai jamais joué, et c'était des donation goals d'un événement caritatif. Et c'est vrai que Valo, j'en ai jamais fait, mais je suis tellement pas ce genre de jeu que va falloir que je... Après voilà, je suis pas contre de faire des soirées initiation. Ils ont muté ensemble, ils ont l'air sympathiques, voilà. Pour mon premier run, j'en avais chié. T'aimes bien voir Abby mourir. Non, allez, là on y va. Je bois un petit coup et on fume. Complètement d'accord avec toi, Steven. Et salut Blue Magic. Complètement d'accord avec toi pour la team... Plus.
J'avais dit que je le fumerais. Il doit y avoir moyen de sortir d'ici. Comme quoi, hein. N'empêche, je tiens toujours parole. Je tiens toujours parole. Tu vois? Là, je vous avais dit, je réponds au chat. Viens là, toi. Je vous avais dit, je bois un coup et je le fume. Et voilà. Enfin, je bois un coup, je réponds au chat et je le fume. Voilà. Ah bah là il est à point là. Là il est même bien cul là. Il est même bien cul là. Alors... On va ramasser tout ça. Hein. Celle-là par contre je l'ai fumé mais on n'a plus de lance-flamme. Hein. On a mis toutes les bonbonnes de lance-flamme, on l'a mis dans la tronche. Hein. Tac... Ce qui est bien, c'est que maintenant il va y avoir plein de loot. En vrai, il y a moyen qu'on termine le jour 3 ce soir aussi. Hein. Et donc, il reste plus qu'un stream la semaine prochaine. La semaine prochaine, à mon avis, on va finir The Last of Us partie 2, les amis. Hein. Putain, mais il n'y a rien de... J'ai pris tous les loot là ? Ah, je savais bien qu'il restait des trucs un peu. Je savais bien qu'il restait des trucs. Tac. Là par là pareil. Là on a pris. Là aussi on a tout fait. Le truc c'est qu'il fait tellement noir que c'est que je sais même plus par où je suis passé ou quoi. Attends, on va faire. Attends, on va faire ça, ouais. Tac, on va faire ça. On va faire ça. Voilà. Voilà. Là on est plein. Bah ouais c'est bon hein, je pense qu'on a tout fait hein. Je pense qu'on a tout fait. Là c'est d'où je viens. Là c'est d'où je viens, là aussi c'est d'où je viens. Et ben, let's go hein. Sortons de cet enfer. Je vais juste prendre ça parce que l'autre bâtard là. Il y en a un qui... Il est où ce bâtard? Il y a le bâtard qui s'est échappé là. Il est en train de conduire dans les conduits d'évacuation là. Enfin, s'il arrive mon pauvre, je suis à bout pourtant. Il prend un coup de lance-flamme dans la tronche, ça va lui faire drôle. Hein. Attends, c'est pas lui là? J'avais pré-shot ce bâtard. Oh non, j'en ai plus. Bâtard. Sors ta tête. C'est quoi? Bon, rien à foutre là. Viens là. Viens là mon gars. Putain, espèce de bâtard là. C'est fini. Oh, quel endroit de merde. Bah
Bah oui, il a peur de moi, mais forcément qu'il a peur de moi. Oh, tu sais qui je suis. Ah, tu sais qui on est avec Abby là. Mais le bâtard, il m'a. Surtout que je l'ai vu, hein, sa jambe dépasser, mais j'étais pas sûr, tu vois. J'étais pas sûr. Et en fait, si. Alors là, on est à la morgue, en plus, grosse ambiance. Hein. Toute cette séquence avec The Last of Us, c'est grosse ambiance aussi. Hein. Hôpital, urgence, foyer épidémique, donc là où tous les gens sont morts sans que personne sache qui leur est arrivé. Puis la morgue. Grosse ambiance. Hein. La dernière fois qu'on était dans un parking, ça a mal tourné. Hein. Dernière fois qu'on a été dans un parking, ça a mal tourné. Donc, on espère que ce parking-là se passera mieux. Faire démonter la gueule, le gamin. Ils sont tous à ta recherche. T'as fait quoi au juste? Rien du tout. Je t'avais dit de pas bouger. J'ai pas eu le choix. Tes amis sont absolument partout. T'as trouvé ce qu'il nous faut? Ouais. Il faut qu'on trouve le moyen de se tirer d'ici. Hé. Viens, suis-moi. Voilà. Bonne journée de fête. Une bonne chose de fête. Je vais faire tous les jeux Rockstar et tous les jeux Naughty Dog en live. Donc tôt ou tard, Red Dead, on va le refaire forcément. On le joue déjà, la fuite en bateau avec Ellie. Ça aurait été trop répétitif et trop long. Oh, la musique. Salut Alice. Salut. Caresse là. Vas-y. Là, tu vois. Ouais, trop belle Alice. C'est fait. Tu peux aller la voir si tu veux. Elle va s'en tirer. Oui, on dirait. Ah bien sûr qu'ils ont pris un vrai chien. Ils font de la motion capture pour animaux. Tu le vois dans le making of. Je sais. Qu'est-ce qui nous est arrivé? On a peut-être arrêté de chercher la lumière. Peut-être. Thank you.
Je vais voir comment elle va. Ok. Tu sens qu'il y a un truc entre eux. Tu le sens. J'avoue, Boulouga. Oui, on l'a bien vu aussi qu'il y a un truc entre. Et ben voilà, troisième jour. Ça va être tendu. Je pense qu'on va finir le live vers 23h30. Ça va être tendu, mais je pense qu'il y a moyen qu'on puisse finir le jour 3. On va voir. Mais je pense que c'est même sûr, il restera un live la semaine prochaine et on aura terminé The Last of Us Part 2. Owen, y'a que moi. Grosse ambiance. Qu'est-ce que tu fais debout? Salut Soli. Je changeais les pansements de Yara. Je reviens pas qu'elle soit sur pied. Normal. Les scars sont des durs. Je vais être de retour avant. Pourquoi ils s'engueulent? Je t'emmerde, Yara. Jamais je t'abandonnerai. Lev veut rester à Seattle. Owen leur a proposé d'aller à Santa Barbara. Ça, c'est tout, Owen. Je pensais que tu réussirais à le convaincre de pas y aller. En fait, c'est le dernier jour, oui. Je ne veux plus te voir. Ah. Quoi? Il a peut-être gobé ton numéro avec des gosses. Mais moi, non. Ah. Tu crois que je fais semblant? La meilleure tueuse d'Isaac qui s'entiche de deux scars. Rien à voir avec Owen? Pas vrai? J'ai fait des erreurs, je le reconnais. T'es une ordure, Abby! Est-ce qu'il serait pas le moment de lui dire ce qui s'est passé il y a 24 heures? Tu l'as toujours été. J'en ai marre de toi. Tu veux les aider, ces gosses? Dégage de leur vie avant de la foutre en l'air. Ouf! Bah, je sais pas si elle a vraiment raison, Mel, parce que elle a surtout le seum envers. Elle a le seum envers Abby en fait. Abby? J'avoue, Boulouga. Chouette t-shirt. Est-ce que ça va? Ça va, ton bras? Bah, c'est déjà mieux que ce matin. Lev s'est calmé. Ça ira. Bon. Tu veux bien m'aider à le chercher?
Il était très énervé. Bien sûr. Il est parti par là. Non mais Mel, elle est pas au courant que Owen l'a trompé. Là, c'est juste que Mel, elle imagine que Abby en a rien à foutre des gosses et qu'elle a fait exprès de les ramener pour séduire Owen parce que justement il va être père. Voilà pourquoi Mel a le seum et pourquoi elle lui a mis ça dans la gueule. Mel là n'est pas au courant que... voilà. Bah Ellie là, Ellie elle vient de finir l'hôpital, elle vient de buter Nora. Et donc là Ellie, elle est en chemin pour l'aquarium. Parce qu'elle a entendu à la radio que Abby était à l'hôpital, donc elle est à l'hôpital. Et en revenant, elle a entendu à la radio que Abby était à l'aquarium. Non, elle a pas entendu, c'est Jessie qui lui a dit que Tommy allait sans doute aller à l'aquarium. Donc là, Ellie essaie d'aller à l'aquarium. Donc voilà. Mais elle est parano, mais pas trop quand même. Pas trop non plus. Oui, il vaut mieux pas qu'elle sache. Hein, parce que là, déjà qu'elle est énervée, elle prend un coup de ciseau. Donc voilà. Après, pourquoi Seattle ? Il fallait une ville sur la côte ouest. Eve, reviens s'il te plaît. Puisqu'à la base les wolves, enfin les lucioles étaient à Salt Lake City. Pourquoi Lev veut pas aller à Santa Barbara? Il s'inquiète pour notre mère. Donc New York, il c'est mort. Il a peur de ce qui pourrait lui arriver à cause de nous. Et il devrait d'abord s'inquiéter de sa propre sécurité. Et en fait, il dit dans le documentaire. La vie de Seattle, c'est celle de Infamous Second Son. Les parents soient tenus responsables des péchés de leurs enfants. Mais notre mère suit les règles. Tout ira bien pour elle. Donc il y aura moyen de faire quelque chose. Pour l'aider. Il ne pourra pas la convaincre de partir. Personne ne le peut. Et j'ai peur de ce qu'elle pourrait faire à Lev. Lev, je suis désolée. Donc du coup... Lev, viens ici. La ville de Seattle est en partie... Je me demande s'il a vu ça. Il adore les requins. Il adore les requins, mais il déteste l'océan. Vous avez beaucoup discuté, on dirait. Il faut croire que ça rapproche d'échapper de peu à la mort. Il a dit que t'avais été courageuse. Il a dit ça pour être gentil. Je sais pas comment te remercier. Tu as entendu ? Et du coup, en fait, Seattle, les équipes de Sucker Punch, qui font partie des PlayStation Studios, avaient déjà modélisé toute la ville dans Insane Second Son. N'aie pas peur. Et en fait, Salut, ma belle. Et en fait, ils ont demandé à Sucker Punch de leur donner les assets de la ville pour avoir des plans de la ville déjà préfaits, etc. Va chercher, ma belle. J'ai l'impression. Elle veut que tu le relances. D'accord, encore une fois. Allez, dans la cage. Tu veux essayer? Je crois pas que ce soit une bonne idée. Ah, faudrait qu'on se le fasse, une Infamous Second Son. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas fait. Oh, ça me ferait kiffer ça. Elle ne va pas me mordre. Oh, ça me ferait kiffer de le refaire. Non, pas de danger. Ça va partir sur du Infamous. Je peux recommencer. Je crois qu'elle demande que ça. Si, faut qu'on fasse la trilogie Tomb Raider aussi. Il y a trop de choses à faire. En fait, on va streamer H24. Hein. On va streamer H24. Allez, go. On va pas faire que ça, Alice. Hein. Faut faire les Uncharted aussi. Faut faire les Jack and Dexter. Faut faire les Red Dead. Faut faire Burnout 3. Il y a trop de choses à faire. Lève! Bioshock 2, Bioshock 3. Je crois qu'il
pourrais convaincre ta mère. Si elle le voyait comme ça, elle lui sauterait. Le blabla mag. Retour du Burger Twitch et tout. Oh là là, mon dieu, il y a que 5 jours dans la semaine, mon dieu. Qu'est-ce qu'il t'a raconté ? Pas grand-chose. J'ai entendu les vôtres l'appeler. Rise of the Tomb Raider ? Bon, on les fera. On fera tous les Tomb Raider de toute façon. Pendant longtemps, je n'ai pas compris pourquoi ils remettaient en cause nos lois, nos traditions. C'est vrai qu'un stream de 24 heures aussi, il faudrait que je fasse. Il m'a expliqué ce qu'il ressentait au fond de lui. Je lui ai dit qu'il ne devait en parler à personne. J'espérais que c'était seulement passager. Il a eu l'air d'aller bien après ça. Puis il s'est rasé le crâne. Comme le font les hommes. C'était du suicide. C'est là que vous êtes parti. D'abord, je lui ai crié dessus. Je l'ai frappé. J'étais une imbécile. Hey, j'ai une idée. On va trouver un cadeau pour Lev. Allez. Et qu'est-ce qui l'a poussé à le faire ? Je veux dire, se raser la tête. La semaine dernière, on lui a attribué son rôle au sein de la communauté. Il voulait devenir un soldat comme moi, mais ils ont décidé de le marier à l'un des anciens. C'est la tradition. Pauvre gamin. C'est où Santa Barbara ? C'est en Californie. Et la Californie, c'est où ? Je vais te montrer. Là, c'est Seattle. Et là, Santa Barbara. Et notre île ? On la voit pas, mais elle est par ici. C'est tellement loin. Ouais. Tant mieux. C'est bon, j'ai envie de retourner aux États-Unis là. Il doit bien y avoir quelque chose qui traîne dans le coin. Non. On peut trouver mieux que ces t-shirts. Ça me fume l'étiquette comme elle est trop bien faite. Et ça t'en dis quoi ? C'est parfait. Mais elle a tort, tu sais. T'es quelqu'un de bien. Tu me connais pas. J'en sais assez. Abby, tu pourrais arrêter de piquer mes affaires, s'il te plaît. Désolé, je savais pas que tout dans l'aquarium t'appartenait. Bah c'est mon aquarium. Mes affaires. Je rigole. Il est trop cool, Owen. Tu prends ce que tu veux. Toi, non. Est-ce que tu as vu Lev ? Oui. Dans le couloir, là-bas. Ok. Je peux te parler. Je te rejoins. D'accord. Pas mon humour.
nul avec les gosses. C'est clair. Mais t'aimes bien, toi. Alors, tu viens à Santa Barbara, hein? Je peux pas. Pourquoi? Tu sais pourquoi. Ta meuf, mec. On trouvera une solution. C'est trop tard. Non, pas du tout. Écoute, je sais. Je sais que c'est le bordel. Mais on peut être ensemble. Happy. On peut être heureux. T'as entendu? Lev! Reviens ici! Lev! Qu'est-ce qu'il fait? Il veut la retrouver. Qui ça? Sa mère. Elle va le tuer, Abby. Le bateau est prêt. L'IA ? Quelle IA ? Dans combien de temps ? Quelques heures. Merde. On va le rattraper. On prend un bateau à la marina. Hé, elle vient de se faire opérer. Je vais bien. Elle doit m'aider à le retrouver. Je viens aussi. Owen ! C'est dangereux là-haut. Oui, justement. Je vais pas la laisser y aller seule. Tu restes ici. Je peux t'aider. Ouais. En commençant par réparer ce putain de bateau. Reste là où t'es plus utile. Yara, on y va. Mais Abby, elle a besoin de se convaincre que... Bien sûr, Maxime. C'était un projet pour 2020 avant que le Covid... vienne faire chier. Mais on devait retracer tous les décors de The Last of Us et en faire un making of, en faire un documentaire. Salut Sonic, bienvenue. Et Wolf utilise cet endroit? On y amarre quelques-uns de nos bateaux. Ok. Viens. Je te rattrape. Ah. En fait, on devait faire. On devait surtout faire Boston. Continuons. Boston, Pittsburgh. Salt Lake City pour voir l'hôpital. Des Lucioles. Seattle. Et après, on devait aller faire tous les lieux de la série. Dans la région d'Alberta, au Canada. Comment on fait pour atteindre ton village sans se faire tuer? Je connais des endroits le long de la côte où on pourra construire des scooters. Ensuite, on prendra des petites routes. Elles sont sûres? Plus que les autres, en tout cas. Tu crois que Lev finira par changer d'avis? Oui. Il devrait continuer. Tu devrais pourtant savoir ce qu'il attend. Oui. En même temps, c'est sa mère. Peut-être. Voilà, là il y a de la ressource, ça fait plaisir. Oui, mais ça, Upsion, c'est pas l'IA, hein. L'intelligence c'est des personnes, etc. Là, c'est que de l'humain derrière. Hein. Hey, on peut essayer par là. Après, c'est que partie remise, hein. Tôt ou tard, je le ferai. Tôt ou tard, je le ferai. Évite au max de mouiller ton bras. C'est trop tard.
Viens. Les bateaux sont de l'autre côté, là-bas. Il faut qu'on remonte et qu'on contourne par la route. Ok, ça marche. Ouais. The Last of Us, je pense qu'il sortira le 3 d'ici 2027-2028. Putain, j'aurai 35 ans. Oh l'angoisse. Oh l'angoisse. Parlons pas de ça, les amis. Parlons pas de ça. Est-ce qu'on est... Bah non, on va se soigner. On n'est pas vu avant 70 ans. Oui, ok, mais... C'est pas grave, 35 ans, ça m'effraie quand même. Tout comme 30 ans, je suis déjà effrayé, là. Force à toi tous ces deux, on est ensemble hein. J'avoue que... Reste sur le ponton. Tu prends un bateau et je te récupère. Non, je vais pas cette fois. Je m'en charge. C'est vrai que la PS5, on arrive bientôt à la moitié de sa vie. Hein. Enfin, on y est. Hein. Vers le mois de juin, on sera à la moitié de la vie de la PS5. Hein. Dans les 20 ans, mais c'est quoi ce genou là? Putain, mais c'est zone de guerre là-bas ou quoi? C'est un putain de pro. Qu'est-ce que tu fais dans le coin? Les canots, on devait attaquer l'île cette nuit. Et ce pendejo s'est pointé. J'ai envoyé un gars chercher de l'aide. Les renforts vont arriver. Enfin, j'espère. Il me faut un de ces canots. Maintenant! Pourquoi? Plus tard, les questions. Dans ce cas, il va falloir que tu m'aides à le descendre. On y va. Regardez les détails, le détail des feuilles sur le pare-brise et le capot. C'est trop bien fait. Steve va buter toute mon équipe. T'inquiète, on va le choper. Putain d'intrus de merde. De quels intrus tu parles? Ça fait quelques jours qu'ils ont débarqué plus tard. Ils font un max de dégâts. Par ici. C'est... Oh la bâtard! Rien de grave! Je
Mais comment il peut m'avoir? C'est n'importe quoi! Quand même se soigner parce que une balle et on est mort. Cuidado, on peut pas continuer par la rue. Merde. Bien, on va dans le garage. J'avoue, on c'est peut le se servir de ça. C'est le sniper de Partine, j'avoue. Allez. Mon morceau, faut y aller. Allez, allez. Putain, il est doué. Sans déconner, c'est ces intrus qu'il faudrait attaquer. Pas cette putain d'île. Quoi, l'assaut est maintenu? Manny. Salut mon Spitz. Eh ouais, continue de rattraper hein. Mais du coup Epsilon, toi aussi tu... Oui, tu l'as jamais vu de la Star Wars partie, tu le découvres là. C'est bordel. Il les attire vers nous. Prépare-toi. Mais j'ai cru que 1 sur 1 c'était bon. Ah t'avais pas fini le jeu. Aïe 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 aïe. Bonne soirée mon Spit, merci à toi d'être passé. Mec, il est en feu. Casse les couilles, ce sniper de merde là. Merde. Il était pas mort, quoi.
Eh, viens là. Bon, ça commence à être la grosse dèche en termes d'armes là. Ça commence à être la grosse dèche en termes d'armes. On y va! Mais je me rappelais pas qu'il était aussi chaud ce moment là. Je me rappelais pas qu'il était aussi chaud là. Oh putain, ça fait recommencer ici en plus. Mais il s'est passé quoi? Merde. Vas-y, je te couvre. Ah mais attends, je suis où là? Je suis complètement perdu, je suis où? Vas-y. Il est passé où? Il peut pas être loin. À terre! Et merde! Ah non! Mais what the fuck? Il est passé où? Il peut pas être loin. À terre! Et merde! Putain mais... Nique ta mère! Mais là j'étais pas en difficulté, j'étais hyper bien. Il est passé où? Il peut pas être loin. À terre! Et merde! Ah
Il est juste là! Allez, 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 allez! Surtout, t'arrêtes pas! Merde, attention! T'es foutu, Bender! Je l'avais pas vu. Merde ! Il est coincé ! Manny. Ça s'appelle un headshot. Ça s'appelle un headshot. Bon, si je pouvais me faire... Si je pouvais faire une trousse de soins, je serais un petit peu plus rassuré. Parce que là, je suis en PLS. Et on rentre à l'aquarium. Allez, on prendra le bateau. C'est Tommy! Elle va chercher la cocaïne et la weed sur Caillou. C'est par où ? Suis-moi. Ils sont où ? Y'a pas de garde ? Non, ils ne viennent pas de ce côté-ci de l'île. Regarde, c'est le bateau de l'aide. Il faut qu'on le rattrape. Tu sais où il va ? Oui, chez nous. Notre mère se trouve là-bas. Est-ce que c'est loin ? De l'autre côté de l'île. Merde. Et si on se fait repérer ? On va éviter les grosses routes. Personne ne nous verra. T'es sûr que les Wolves vont attaquer cette nuit ? Ouais, c'est un ami qui me l'a dit. Ils vont profiter de l'orage pour passer inaperçus. À moins qu'Isaac change d'avis. Votre chef, Isaac, qu'est-ce qu'il veut ? Mettre fin à la guerre. Oui, mais à quel prix ? Au point où on en est ? À n'importe quel prix. En haut. Tu vas réussir à monter ? C'est le plus rapide.
En IRL, c'est au centre-ville. Mais là, avec les inondations, les bombardements, en fait, le centre-ville a été détruit de Seattle. C'est comme ça. Abby, pourquoi est-ce que tu nous aides ? Lev m'a posé la même question. C'est juste que vous méritez pas ça. Et puis, je sens que j'en ai besoin. Je dois le faire, c'est tout. Wow. C'est votre village ? Non, ça, c'est Evan. Le nôtre est plus loin dans les terres. Ne traîne pas, pour être repéré. Oh non. C'est quoi ça ? C'est notre signal d'alerte. Les wolves sont là. Toute l'île est en alerte maintenant. Il faut qu'on se dépêche. Tu fais chier, Isaac. On va passer par le camp des bûcherons. Suis-moi. Combien de personnes vivent ici ? Un million environ. Et combien de soldats ? La moitié d'entre nous est en train de combat. Et que fera l'autre moitié quand les wolves vont débarquer ? Certains iront se cacher, mais les autres vont se battre. Ici. Ils sont allés se battre. Puisse sa lumière nous guider dans la tempête. Quand tu es dans les ténèbres, cherche la lumière. Qu'est-ce que tu dis ? Un truc que mon père disait souvent. Ah, le slogan des Lucioles. Le grand bâtiment à droite avec les torches. Ça mène vers l'extérieur ? Oui, on peut couper par là. Parfait. Viens. Fermez le portail ! Verrouillez le camp ! La nuit promet d'être longue. N'oublie pas, c'est en étant faible qu'on peut trouver notre véritable force. Pas trop. Pour le bien de ton peuple et ta terre, tout le temps. Pour le mauvais. Elle fait ça devant Yara, tu sais. Ouais, c'était ma tante. Bah, au revoir, Tati.
C'est peut-être pas le bon truc là, parce que je vais ressortir, je vais voir je vais rien voir. On va peut-être rester là en fait. Oula. Ah, super à discrétion. Vas-y là, t'as pas des flèches à récupérer là ? Oula oui. T'as pas été assez attentive. Ah, ça c'est bien. Voilà. Oh là oui, on a bien fait de venir. Yara, en bas. Ok. Qui c'est? Je crois que c'est bon. C'était dingue. On se rapproche. Putain de merde. Puisse-t-elle nous protéger. Isaac, qu'est-ce que tu fous? Y'a les wolves qui arrivent. Baisse-toi. C'est une aubaine. Ils sont sur notre territoire. Donnons-leur ce qu'ils méritent. Par la force de son amour, nous survivrons. Par où maintenant? On va passer par le chalet droit devant. Yara. Au camp des bûcherons. Où est-ce qu'ils emmenaient les enfants? Il y a des abris un peu partout. J'avais fait mal, il y a plus de l'eau. Tant mieux. On a beaucoup de munitions là. Alors bonne soirée Steven, merci à toi. À très bientôt. Et bonne nuit Bouluga. Bonne nuit, bonne nuit. Et de l'autre côté de ces champs. Parfait. Merde.
Les sectes, c'est mal, vous voyez. La fugitive est ici! Avec une wolf! Tu vas nous le péter! Mais ta munition. Nique ta mère, ta munition illimitée ou quoi? Mec, c'est pas un pistolet qu'il a, c'est un Uzi! Il avait bugué là, il bougeait plus. Côté. Le fugitif est ici, avec une wolf. Tu vas nous le payer, Yara. Super, mais tu peux pas me le dire avant. Qu'est-ce qui est con? C'est une fois qu'elle est sur moi, tu sais, en fait, derrière toi, tu vas te faire éclater la gueule. Elle est pas mortelle. À terre, vite. L'ennemi est dans le champ de maïs. Meuf, j'ai mis balancer une grenade sur la gueule.
Non mais c'est trop ça, tu sais. C'est ici. Allez. Ton bras, ça va? Pas vraiment. Par là. Elle a tué sa mère. C'est pas que la mère croyait pas à ses enfants. J'aurais jamais dû. C'est que la mère n'acceptait pas d'avoir une fille transgenre. C'est ça le problème. Hein. On y va. Qu'est-ce qui se passe? T'es mal? Ah mais tu dors pas, Boulouga! Ça va aller. Elle nous protège. On devrait pas aller chercher le bateau. Non. J'entends des coups de feu là-bas. J'entends des coups de feu partout. Il y a plein de bateaux à Haven. C'est à ça que je pensais. On peut couper par la vieille ville. Il faut éviter les routes principales. C'est loin, Haven. C'est pas tout près. De toute façon, on va c'est pas tarder à... On est bientôt à la fin du stream de ce soir. Hein. À la fin du troisième jour. Commence à faire nuit. Tout ce qu'on peut prendre, on prend, hein. Parce que là, du coup, on a les wolves sur le dos. Ça va. On a... Bah, les séraphites sur le dos. On en avait vraiment la foi, tu sais. Alors, pourquoi il a fallu que ça lui arrive? Avoir la foi ne rend pas immortel. La vie est une succession d'épreuves. Elle nous quitte. Je peux toujours pas faire de silencieux ni rien là. Sous la porte, vite. Ah.
tous abandonnés. On peut rien faire pour eux. Je sais. Reste près de moi. Ok. Oh non. Il faut quitter la rue. Lève. Abby. Par là. Ah bah voilà. Il nous reste combien de pilules là? Il en faut 40. 16 pilules il nous manque. 16 pilules et Abby elle sera totalement dopée. Est-ce qu'on peut les éviter ces types? Ouais, on prend un autre chemin. On va bien pouvoir trouver 16 pilules. Allez, 16 petites pilules, y'a pas des pilules qui traînent là? J'en sais rien. Avance, c'est tout. Yara. Par ici. Ah, j'en ai un. Yara. Abby. Ça suffit. Zack. Qu'est-ce que tu fous, bordel? Il faut que tu m'écoutes. Qui tu caches derrière toi? Il m'a sauvé la vie. Écarte-toi, on discutera à la base. Il est pas avec eux, je te le jure. Écarte-toi. Mais putain, c'est un enfant! Tu as 3 secondes pour t'éloigner de ce Scar. 1. Tu vas vraiment me tuer? 2. Je bougerai pas, compris? Non! Putain de merde! Tu es là! Lève, on doit y aller. Elle est morte. Bah... C'est pas vrai, elle est morte. Lève, allez. C'était ton putain de groupe. C'est toi, mon groupe. Écoute-moi. Il va falloir qu'on se batte pour s'en sortir, ok? Et ensuite, il faut que tu nous mènes au bateau. On laissera personne nous arrêter. Ok? Ouais, Ok. D'accord. Suis-moi. La violence d'âme de la mort quand même. Tout ce qu'il me faut. Quand ils l'ont littéralement mais fusillé sur place au sol.
devant les yeux de l'elfe qui était comme ça en mode. Eh ben voilà, 17, on a tout. Ah bah oui, là, en 10 minutes, il a un petit peu tout perdu. Hein. Aucun contact. Ah.
What? Oh non! Avancez! Qui est con, je voulais recharger. Je l'ai eu. Putain. Oh salope. Ah non, j'ai pas eu le temps de... Oh la salope. Putain, j'ai pas eu le temps de... J'ai pas eu le temps de me barrer. Caché par là. Samsou, c'est le petit yo. Putain, mais Lev, il sert à rien, il pouvait pas me prévenir là qu'elle arrivait. Merde. Pas tuer qu'un, hein. C'est par où? Il y a une station radio tout droit. On peut la traverser. C'est encore loin d'ici, Heaven. Il reste pas mal. Lève. Le type est tombé sur la gueule, tu sais. Bon, ça donne quoi? Bah ça va et toi, petit yo?
Ah merde, je peux pas faire la vitesse de rechargement. Il m'en reste combien là? Il doit pas me rester beaucoup hein. Je crois que c'est 80 je crois. Oh les boules, il m'en reste 8. Faut qu'on trouve 8 boulons là. Faut qu'on trouve 8 boulons. Oh, c'est pas vrai. C'est Evan? Ouais. Ce qu'il en reste. Lev, ils sont où les bateaux? Au ponton. Derrière les incendies. Alors il faut qu'on y aille avant qu'il soit trop tard. D'accord? Ouais. Là, tu rentres tard du taf, hein? Crève sur cette île. Et toujours, hein? Toujours, d'accord. Toujours. Allez, on y va. Obligé, The Last of Us dans le sang. Par où on va? Faut suivre les ponts en pierre. Ok. Allez, suivons. Foutez-vous sur la gueule, nous. Là, cette fois on les tient. Couvrez toutes les fenêtres, ne les laissez pas nous encercler. Ah oui, c'est vrai que tu bosses dans un bowling. Allez-y, foutez-vous sur la gueule. Terminez-le. Nous. Ça. Tiens-le! Ah oui. Lève! Allez! Je t'ai monté à cheval! Aide-moi! Accroche-toi! Viens! Et voilà, comme ça, on a tout évité! Baisse-toi! Continue à me guider! Là, devant! Mais il sert vraiment à rien ce gamin, j'aurais pas dû le sauver hein. Faut que je vise moi aussi au fait.
Je laisse tout faire à l'aime, mais faut que je vise moi aussi ou quoi? Ah, faut peut-être que je vise en fait. Faut peut-être que je vise en fait. Le mec il gueule mais... Ah oui, c'est mieux, hein. C'est mieux. Là c'est pas qu'ils incendient le village, c'est que c'est la guerre. Là c'est la guerre, c'est... Hey! Ah!
L'enfer. Moi je comprends le choix de Joël hein. L'humanité mérite pas d'être sauvée hein. Les amis, on va cesser ici pour ce soir. On va cesser ici pour ce soir. On en est à 3h40 de live. C'est à peu près là où je voulais en arriver. Du coup, il nous restera un stream la semaine prochaine pour terminer The Last of Us Partie 2. Du coup, voilà. Ça fait bizarre. C'est toujours un plaisir de le faire, ce jeu-là. Il y a vraiment... Il y a vraiment un truc particulier qui fait que... Mais merci à toi, Quentin. Merci. Je vous rappelle, demain, grosse soirée GTA RP, puisque demain, on doit une mission importante avec l'Orga. Demain, grosse mission importante. Jeudi, on continue Banisher. Vous allez voir que Banisher, c'est aussi un très, très bon jeu. J'ai très hâte de suivre l'aventure, de continuer l'aventure avec vous. 20h Maxime, tout le temps 20h.
tout le temps 20h, tout le temps 20h. Et vendredi, bah, on continuera GTA RP. Et semaine prochaine, on finit The Last of Us. On continuera Banisher. On essaiera de se prévoir une petite soirée abonnée. Et puis, voilà. Voilà, voilà. J'espère que le petit programme vous laisse. Eh ben des bisous mon petit ça fait plaisir merci à toi d'être passé, merci à tous ceux qui étaient là jusqu'à un petit peu tard quand même ce soir, et ben passez une bonne soirée, une bonne fin de soirée, passez une bonne journée demain, et on se donne rendez-vous demain soir les amis, salut à tous.